Créée le 25 mai 1975 à Lagos, au Nigeria, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, célèbre ses 48 ans. Considérée comme l'organisation où l'intégration des peuples est une réalité, la CEDEAO est un ensemble constitué de 15 pays membres et plus de 300 millions d'habitants. À Bamako, cet anniversaire a été marqué par un dîner gala à l'hôtel Azalaï de Bamako. Depuis sa création, notre organisation a réalisé plusieurs projets programmes bénéficiant aux citoyens de l'espace communautaire, parmi lesquels la libre circulation des personnes demeure l'une des plus grandes réussites. Parce que, comme nous savons, actuellement, quand chaque citoyen, chaque pays souhaite se déplacer d'un pays à l'autre, il n'a pas besoin de visa. Ça, c'est très, très important pour moi. Et je pense pour tous les citoyens de la CEDEAO. Les ambassadeurs des pays de la CEDEAO, de l'Union africaine, des autres continents et des amis de l'organisation ont marqué leur présence à cette cérémonie. Ces 5 dernières années ont été quasiment les plus difficiles de son existence, car étant constamment tiraillé entre le souci de faire respecter les règles fondamentales qui guident son action et la satisfaction des aspirations légitimes d'une frange importante des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Cette crise qui habite notre cher organisateur n'a pas manqué de générer beaucoup d'incompréhension de part et d'autre, au risque d'un reniement des opinions publiques. Et pourtant, faudrait-il le rappeler, la CEDEAO fait partie des 2 plus grandes organisations régionales les plus élaborées du continent, tant dans son architecture institutionnelle que dans son approche dynamique. Le Mali fait partie des pays membres fondateurs de la CEDEAO. Malgré les soubresauts survenus entre le Mali et l'institution sous-régionale, les autorités restent fidèles aux idéaux de la CEDEAO. Pour le Mali, l'intégration africaine est sacrée. La vision malienne est celle d'une Afrique sans frontières qui doit avoir pour finalité le bonheur, la prospérité et la bonne santé du corps continent. Pionnier du panafricanisme et membre fondateur de la CEDEAO, notre pays, le Mali, reste toujours membre actif de l'organisation ouest-africaine. Il continuera toujours à jouer son rôle de premier plan pour la réalisation, la prospérité partagée de notre région. Aujourd'hui, les principaux défis de la CEDEAO sont, entre autres, la création de la monnaie unique, l'ECO, d'ici à 2027, et la mise en place de la force en attente afin de lutter efficacement contre la crise sécuritaire qui mine son territoire.